to the most exciting event on television, Riot, Righteous Invasion of Truth, presented by the Power Broadcasting Network. Abel Damina is my name. Bienvenue à cette chanel, bienvenue à cette télévision que vous aimez tant. Abel Damina est mon nom. We so excited to welcome you to the broadcast. Nous sommes très contents de vous, uh, vous, vous savoir nombreux et nous vous disons merci d'avoir choisi cette, uh, cette chaîne. It's always a joy for us to bring you the preaching of the gospel of Christ. Nous sommes très contents de vous amener l'évangile de Christ. Today is going to be an exciting adventure with the truth of Christ. Aujourd'hui sera un jour mémorable, un jour inoubliable de de l'évangile de Christ. Make sure you get your pen, your notebook, your bible. It's going to be an intense study of the truth of the gospel. Sois en sûr que tu es avec ton, ton, ton cahier, ton bible. Des stylos pour pouvoir vraiment prendre tout de cette ce, ce message. Aidez-nous à partager cette cette uh, cette vidéo. Aidez-nous à partager ce message pour toutes personnes que vous connaissez à travers à, à côté de vous. If in the course of the message you have a question you want to ask us, the email address that is on the screen right now. Durant ce message, si vous avez des questions à poser, il y a un mail qui est en train de défiler actuellement. Vous pouvez envoyer vos questions à travers ce mail et nous serons capables, nous serons responsables de vous vous donner la réponse si dans un temps pour. Remember that it is the entrance of His word that gives light. N'oubliez pas que c'est l'acceptation la, la, de son, son message qui donne la lumière. De la même manière que l'appareil est en train de venir, la lumière est en train de venir à vous au même moment. Et à la fin de ce message, nous reviendrons pour prier pour vous. So your seat belts. Alors, prends contrôle de ton à ta position, As we take you on a gospel adventure, et quand nous, nous vous prenons dans un voyage de l'évangile, dans le service, where the Spirit of God is already moving. et quand l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir, merci de nous, de nous regarder. Amen. Amen. Lève ta main droite partout où tu es en ce moment pour déclarer la foi ensemble. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne vais pas trembler. De pratiquer la parole. Je vais pratiquer la parole naturellement. et Aujourd'hui, je vais entendre la parole de gloire. Je vais être bâti. Et à la fin de ce culte, je ne vais pas être la même personne. Je ne vais pas jamais être la même personne. Au nom précieux de Jésus. Et toute personne me dise Amen partout tu es. Nous voulons dire merci à tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, partout. Toutes nos plateformes que nous écoutez, vous nous écoutez en ce moment. Nous te disons merci. Nous vous disons merci. Venez, vous êtes les bienvenus à cette édition, à ce, à, ce, à ce culte de ce matin. Merci de nous rejoindre. Invitez un de vos amis, invitez vos proches, vos familles, vos proches parrains à venir écouter cet évangile avec vous au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. La révélation de la croix, l'évangile, 1 Corinthiens chapitre 15 verset numéro 1. De plus frère, je vous annonce l'Évangile que je vous ai prêché. L'Évangile que vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez. Verset suivant, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché. À moins que vous n'ayez cru en vain. Le verset suivant, car je vous ai livré tout d'abord ce que j'ai aussi reçu, comment que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ensuite, verset, et qu'il a été vu de ses phases, c'est la preuve historique que Jésus est vivant. Cet historique, d'accord. Nous avons des preuves historiques, nous avons des preuves archéologiques que Jésus est vivant, quand il est ressuscité des morts le troisième jour où il a été vu de ses phases. Les douze l'ont vu après qu'il a été vu de plus de cinq cents frères à la fois, dont le la plupart restent jusqu'à présent, mais certains se sont endormis. Quand il s'est levé, s'efface la vue. Les douze l'ont vu, plus de cinq cents personnes l'ont vu à la fois, et ce n'était pas littéralement dans deux coins cachés. Il était évident que tout le monde savait qu'il s'était levé. La preuve est là avec nous, historiquement, scientifiquement et scripturairement. Personne n'a de raison de raz-mata qui que ce soit, quand il est ressuscité c'est réel. Et surtout je suis un trophée de sa résurrection. Si vous voulez savoir si Jésus est réel, regardez-moi. C'est aussi réel que ça, Dieu merci. Il a été vu de ses phases, il a été vu des douze. Et il a été vu de plus de cinq cents frères à la fois, après cela, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, verset suivant, et le dernier de tous, il a été vu de moi aussi. Comme d'un né hors du temps, verset suivant, je suis le moindre des apôtres, que je ne suis pas censé être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Ce sont des détails historiques qui peuvent être prouvés n'importe où. Verset suivant, Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce qui m'a été accordée n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé abondamment que, seulement que ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Ainsi, l'Évangile a certains détails qui doivent être communiqués. L'Évangile est une bonne nouvelle et non une mauvaise nouvelle, cela limite définitivement ce que nous entendons par le mot, Évangile. L'évangile est une bonne nouvelle et non une mauvaise nouvelle, donc, cela définit ce qu'est l'évangile, beaucoup de choses qui ne sont pas de bonnes nouvelles ont été promues comme un évangile. Beaucoup de gens dans la soi-disant culture chrétienne associent l'évangile à l'enseignement qui dit, tu es un pécheur, si tu ne te repens pas tu vas en enfer. Maintenant ce sont des déclarations vraies, il y a le ciel et l'enfer, Dieu et Satan, et vous irez en enfer si vous rejetez le sacrifice de Jésus en n'acceptant pas le message. Même si tout cela est vrai, ce n'est toujours pas une bonne nouvelle. Il y a le ciel, il y a l'enfer, il y a Dieu, le Satan. D'accord? Vous allez en enfer si vous rejetez Jésus, mais après tout. Entendre ce que vous venez d'entendre maintenant n'est pas une bonne nouvelle à entendre, qu'il y a Dieu et que Satan ne fait pas de bonnes nouvelles. Entendre qu'il y a l'enfer et le paradis non n'en fait pas une bonne nouvelle, entendre que si vous rejetez Jésus, vous allez en enfer, n'en fait pas une bonne nouvelle. Donc tout ce que j'ai dit maintenant n'est pas l'Évangile, c'est vrai mais ce n'est pas l'Évangile parce que nous voulons définir ce qu'est l'Évangile, parce que l'Évangile est la puissance. Donc si vous les prêchez, il n'y a pas de puissance en eux, la puissance est dans l'Évangile, la puissance est dans l'Évangile. Les choses que je viens de dire sont vraies, il y a l'enfer. Il y a le paradis, il y a Dieu, il y a Satan. Si vous rejetez Jésus, vous allez en enfer, mais cela n'en fait pas une bonne nouvelle. Beaucoup de gens ont pensé à tort que prêcher sur l'enfer et en effrayer les gens est l'évangile. Mais ce n'est pas ce que frère Paul a enseigné, en fait, alors que nous étudions cela. Vous verrez que c'est tout le contraire de ce dont il parlait vraiment, alors entrons dans ce qu'est l'Évangile maintenant. Nous venons de lire l'Écriture qui dit, ⁇ Christ est mort. ⁇ Et il a été enterré, et il est ressuscité le troisième jour, selon l'Écriture, donc l'Évangile est le message des Écritures et les Écritures parlent de la mort. De l'enterrement et de la résurrection de Jésus. Les Écritures parlent de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Jean chapitre 5 verset 39 Sondez les écritures car en elles vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi les écritures rapportent concernant Christ. L'écriture est la jeunesse de Malachie. Il voit le début depuis la fin et voit la fin depuis le début parce qu'il est intemporel. Voyez la fin, voyez le début, il se tient ici et il voit tout. Voyez la fin, Voyez le début. Ce qui vous prend un million d'années, devant Dieu, c'est d'ici à ici et il y a encore de l'espace plus grand que ça, et il regarde. Ceux d'entre vous qui ont fait des sciences savent que les galaxies sont plus grandes que la Terre, la Terre est juste petite. Toute cette grande Terre n'est rien comparée à l'espace extra-atmosphérique, il y a de grands espaces là-bas. Il y a de grandes galaxies là-bas qui sont mille fois plus grands que la Terre mais tout mis ensemble, Dieu se dresse et le voit comme rien. Quand vous voulez imaginer la grandeur de Dieu votre cerveau peut exploser, pourtant il vit à l'intérieur de vous. Si Dieu n'est pas pris au dépourvu alors le péché d'Adam n'était pas un choc pour lui, cela signifierait qu'il savait d'avance qu'Adam désobéirait. Cela dit aussi que Dieu par préscience aurait fait des contingences pour le péché dans l'humanité dans son plan éternel avant le temps à commencer. Nous le voyons dans son conseil à Adam et sa provision après le péché d'Adam Genèse 2:17 Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas car le jour où tu en mangeras tu mourras sûrement, il a dit à Adam quoi recevoir. Il lui a dit de recevoir la vie parce que dans Genèse chapitre 3 verset 11 et il a dit qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont j'ai commandé que tu ne manges pas? Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité, elle écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il était donc évident qu'il savait ce qui s'était passé et connaissait la solution. Dieu n'a pas été choqué ni n'a-t-il réagi, plutôt il a seulement donné une promesse de victoire dans la graine de l'humanité. Nous voyons que son plan n'a pas changé parce que ce qu'il a offert à l'humanité était la vie dans la graine. La réponse à la mort est la vie, la réponse aux ténèbres dans la Genèse était la lumière. Ce Dieu a parlé sa voix depuis le début et la lumière et la vie paul a parlé dans le même sens depuis le début la voix de dieu était lumière vie lumière vie léger la vie et frère paul a parlé dans la même ligne quand il a commencé à parler de ce qui s'est passé dans la création de l'homme au début des temps c'est juste là dans le livre de deuxième corinthiens chapitre 4 verset 3 à 6 mais si notre évangile est caché il est caché pour ceux qui sont perdus en qui le Dieu de ce monde avait aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu ne brille sur eux. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Christ Jésus le Seigneur et nous-mêmes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Car Dieu qui a ordonné à la lumière de briller des ténèbres. A brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu face à Jésus-Christ. Dieu a ordonné à la lumière de briller des ténèbres et il a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu face à Jésus donc ce que Dieu a dit depuis le temps. Était la vie. La lumière, la vie, la lumière et le frère Paul a dit quand Dieu a dit que la lumière soit et il y avait de la lumière, ce que Dieu faisait il ordonnait à la lumière de briller hors des ténèbres. C'était le salut, la première chose que Dieu a montré à Moïse dans la vision de la Genèse était le salut, parce que le sujet de Dieu pour la Bible est le salut. Jean 1, 1, 5 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la même était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui, ou? Dans la Genèse. Au commencement, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ou, dans la Genèse, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. En où, dans la Genèse. Et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Ou, dans la Genèse. Il a donc dit que Jésus était cette source de vie, l'arbre de vie. Il dit que la vie est la lumière. Le mot, parole, dans son contexte fait référence à l'intention avant le discours ou l'action, Jésus est la vie et la lumière dans la Genèse, il est le mot, c'est son office. Il est le mot et le mot est la vie, le mot est la lumière, il est l'intention, la pensée, en fait il est le schéma de pensée de Dieu, la vie et la lumière. C'est pourquoi le premier ce que Moïse verra sera la lumière, que la lumière soit, que la lumière soit, que le salut soit, que la lumière soit, car après cette lumière. Dieu a créé la grande et la petite lumière donc ça veut dire que la grande et la petite lumière qui est soleil et lune n'est pas la lumière la lumière était la vie. Quelle vie? L'arbre de vie dans le jardin. La lumière était la vie. Dites lumière. Dites la vie. Maintenant Genèse un trois Tout le monde a lu avec moi très fort et Dieu a dit. Voir la lumière. On voit la lumière au chapitre un, on voit la vie au chapitre trois. Genèse chapitre trois verset six et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux. Un arbre à désirer et à rendre sage, elle en prit le fruit et en mangea, et donna aussi à son mari avec elle et il mangea, verset suivant. Et les yeux de tous deux étaient ouverts et ils savaient qu'ils étaient nus et ils ont cousu des figues partent ensemble et se firent un tablier, verset suivant. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marcher dans le Jardin d'Éden dans la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres de le Jardin. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme un Dieu connaissant le bien et le mal. Qui a dit ça? qui a dit ça? est ce Satan ou serpent? qui est serpent? Deuxième Corinthiens 11 3, Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, votre esprit ne soit corrompu et ne se détourne de la simplicité qui est en Christ. Comme un serpent. Afin que vos esprits soient corrompus donc par implication qui est le serpent Satan Moïse ne connaissait pas Satan, alors quand il a vu l'être qui a trompé Ève parce qu'il ne connaît pas Satan. La seule chose qu'il pouvait utiliser pour définir ce qu'il voyait dans cette tromperie était une métaphore appelée le serpent et non le serpent, le serpent, c'est-à-dire une personnalité. Mais parce que je ne connais pas cette personne, laissez-moi le décrire comme le serpent parce qu'il a des manières subtiles comme un serpent, c'est Satan pour vous. Oh. ce serpent était Satan en Éden. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais connaître Satan dans l'Ancien Testament parce que Satan n'était pas trop connu d'eux donc ils utilisent des métaphores pour décrire Satan. Le seul endroit où il est révélé est dans le Nouveau Testament, la révélation des Écritures, donc c'était Satan qui parlait à Ève. Donc revenons au chapitre 3 de Genèse où nous étions au verset 4. Et le serpent a dit à la femme, Tu ne mourras certainement pas, qui parle Exactement, tu ne mourras sûrement pas, Dieu est sage, il sait que le jour où tu mangeras, tu seras comme lui. Revenons maintenant à Genèse chapitre 2, verset 11. Le nom du premier épison, est Pison, c'est celui qui englobe tout le pays de Avila, où il y a de l'or. Verset suivant. Et l'or de cette terre est bon. Il y a le Bédélium et la pierre d'Onyx. Verset suivant Et le nom du deuxième fleuve est Guion, c'est celui-là même qui entoure tout le pays de Topie. Verset suivant. Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour l'habiller et le garder. Verset suivant, et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme de dire de chaque arbre du jardin que tu peux. Librement manger. Verset suivant. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement, verset suivant. Et le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je je ferai de lui une aide digne de lui, maintenant donc nous voyons deux arbres, nous voyons deux segments différents. Un que vous mangez de chaque arbre, un ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Ok maintenant vient au chapitre 3 de la Genèse, le dernier verset. Alors il chassa l'homme et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins, et une épée flamboyante qui tournait partout pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc ça veut dire il y avait un arbre de vie dans ce jardin, d'accord donc dans Genèse une lumière dans Genèse 3 vie. En lui était la vie et la vie était la lumière c'était la lumière, la vie, la lumière. La vie, la lumière, nous sommes dans la Genèse qui est la vie? Qui est lumière? La parole au commencement était la parole, la parole était la vie, la parole était la vie et la vie était la lumière Genèse 1-3 que la lumière soit Genèse 3-3 de la vie, la lumière, la vie. Qui est la lumière, la vie, la parole? La parole est vie, la parole est lumière alors quelle vie et quelle lumière? Vie, salut, lumière, salut. Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, celui qui a le Fils a la vie donc il est vie et lumière et c'est ce que Moïse a vu dans la Genèse, est-ce clair? S'il vous plaît, si c'est clair. Crier un Amen vivant. Il a dit que Jésus était cette source de vie, l'arbre de vie, il dit que la vie est la lumière, le mot dans son contexte fait référence à l'intention avant l'action spirituelle. Dieu ne réagit pas, il ne réagissait pas au péché d'Adam. La vie en Jésus était le plan éternel de Dieu pour l'homme, le plan de Dieu est antérieur au temps et à la création. C'était la pensée et l'idée prééminente, c'était l'idée totale prééminente à travers les Écritures, que le plan original de Dieu était la vie et la lumière en Jésus pour l'homme. La prochaine question à laquelle nous répondrons est de quand date la mort de Jésus? Et Jésus a t-il été tué avant la fondation de la terre? Apocalypse 13 V8 et tous les habitants de la terre adoreront celui dont les noms sont maintenant écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Les textes ci-dessus, s'ils sont lus sans tenir compte d'autres déclarations similaires dans ce même livre, semblent soutenir l'idée que Jésus a été tué depuis la fondation de la terre. Cela nie cependant les preuves accablantes que nous avons dans les évangiles et l'épître qui dit que Jésus a été pendu sur un arbre à l'extérieur de Jérusalem, Jérusalem est dans le temps est daté. Par conséquent, nous devrons examiner le livre pour d'autres inférences avant de tirer une conclusion qu'est-ce que le mot livre de vie? Toutes les écritures que nous lisons dans la Révélation, il s'agit d'effacer, 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 nous n'avons pas vu écrit, nous n'avons pas vu ajouter, nous avons continué à voir effacer, effacer. Paul a dit Je te prie aussi vrai compagnon de route, aide ces femmes qui ont travaillé avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi. Et avec d'autres mes compagnons de travail dont les noms sont dans le livre de vie. Paul nous fait savoir que le nom du croyant est écrit dans le livre de vie, en rassemblant toutes les preuves. Nous voyons que ce livre parle de la médiation et de la défense du Christ Jésus pour les hommes. Comme préplanifié par Dieu avant le commencement et est actionnable parfois depuis le tout début de l'homme dans le temps, nous avons donc Paul. Réunis dans un résumé In Titus 1, 1, 3, Paul serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon la foi des élus de Dieu et la reconnaissance de la la vérité qui est après la piété. Dans l'espérance de la vie éternelle que le Dieu qui ne peut mentir a promis avant que le monde ait commencé. Mais a manifesté cette parole en temps voulu par la prédication qui m'est confiée selon le commandement de Dieu notre Sauveur. L'évangile est selon la foi qui est l'élection de Dieu c'est la foi en la vie dont Dieu a parlé et est communiqué aujourd'hui par la prédication comme une commission de Jésus. Donc avant la fondation du monde cet évangile qui est le sujet sera en Dieu comme son intention, le but et le plan et à partir de la fondation seront une genèse, dans sa communication à Adam. Une promesse que Dieu lui-même remplira. Toute promesse que Dieu lui-même remplira, le mot grec est épangélia, une promesse que Dieu lui-même remplira, le péché d'Adam n'a jamais changé son intention. La croix était prévue avant la chute d'Adam, ce n'était donc pas une réaction, c'était le plan. D'accord, regardons la perspective de Christ. L'énormité de ce qu'a fait Jésus pour sauver a pris tout ce qu'il est, toute sa personne, le péché de l'homme a tout causé à Jésus, Jésus a dépensé tout ce qu'il avait. Philippiens 2 5 et 6 que soit en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ, qui étant sous la forme de Dieu pensait que ce n'était pas un vol pour être égal à Dieu. Comment Jésus n'a-t-il pas pensé que c'était un vol, nous avons une meilleure traduction dans la version amplifiée, qui bien qu'il ait existé sous la forme d'une essence immuable de Dieu comme un avec lui possédant la plénitude de tous les attributs divins, la nature entière de la divinité. Ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir ou à affirmer comme s'il ne la possédait pas déjà ou n'avait pas peur de la perdre mais se vidait sans renoncer ni diminuer sa divinité mais n'abandonnant que temporairement l'expression extérieure de l'égalité divine et sa dignité légitime en prenant la forme d'un serviteur né et en étant fait à la ressemblance des hommes. Il est devenu complètement humain mais était sans péché, étant pleinement Dieu et pleinement homme. Philippiens 267 amplifié Paul nous fait comprendre que Jésus était pleinement homme il a laissé toute sa gloire en tant que Dieu et est devenu un homme comme Dieu le voulait, donc en Jésus. Dieu nous a montré non seulement son propre caractère mais nous a également montré qu'il l'homme est vraiment comme son propre Fils. Nous voyons clairement la domination de l'homme sur tout ce que Dieu a créé dans le Christ Jésus, ainsi l'auteur des hébreux nous le dit maintenant aussi hébreux de 8 à 10. Tu as mis toute chose sous ses pieds, car en cela il a tout soumis sous lui, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis, mais maintenant nous ne voyons pas encore toute chose lui être soumise. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu inférieur aux anges, pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour chacun. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses en amenant plusieurs fils à la gloire, de faire le chef de leur salut parfait par les souffrances. Donc Jésus était homme, pleinement homme sans péché, car eux est un Dieu et un médiateur entre Dieu et l'homme, l'homme Christ Jésus 1 Timothée 2, 2, 5 connaît par la présente l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair et de Dieu, la limitation du temps et l'espace était une contrainte valable pour Jésus, il avait faim, fatigué, travaillé. Son incarnation dès la conception dans le ventre de Marie, le ventre d'un pécheur, est le début de ses souffrances, puis il a dû prendre notre mort et il a été horrifié de la mort. Jésus eut tellement horreur de la mort qu'en Matthieu 26 sur 37 il dit, et il prit avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et commença à être triste et très lourd, puis il leur dit, Mon âme est extrêmement triste, même jusqu'à la mort, resté ici et veillé avec moi et il est allé un peu plus loin et est tombé sur son visage et a prié en disant. Ô oh mon Père s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, néanmoins pas comme je veux mais comme tu veux, nous voyons ces émotions ici, c'est une autre preuve vitale qu'il était humain. Marc 14 36 et il dit à ah bas Père tout est possible. Ôte de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14 36 puis Luc 22, 43, 44 et un ange lui apparut du ciel. Le fortifiant et étant en agonie, il priait sans cesse et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang tombant sur le sol. Il priait en dépensant de l'énergie et était fatigué. Les anges devaient lui venir en aide pour le fortifier. Toutes les scènes montraient qu'il avait quitté tout attribut de la divinité pour le bien de l'homme, il est homme pour nous. Hébreu 5 V7 qui, au jour de sa chair, avait offert des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et avait été exaucé en ce qu'il craignait. Esaïe 53 3 l'appelle un homme de douleur. Jésus a dit que son âme est triste jusqu'à la mort, quelle sorte de mort est que voulait-il dire par mon âme? Le mot âme est utilisé dans son contexte pour signifier soit une partie de l'homme tout entier, soit l'existence de l'homme lui-même. Jésus se référait-il simplement à son esprit ou à sa personne? Esaïe nous donnera une réponse à cela. Esaïe 53, 3, 6 Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur est habitué à la douleur et nous lui avons caché pour ainsi dire nos visages. Il a été méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Sûrement il avait porté nos chagrins et porté nos chagrins, pourtant nous l'estimions frappé, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix était sur lui et avec son rayure nous sommes guéris. Nous nous sommes tous égarés comme des brebis, nous avons chacun suivi sa propre voie et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Son chagrin et son chagrin étaient en fait les nôtres, il était notre substitut, il a pris notre place dans la mort, sa vie nous a été donnée pour notre dette. Comment? Isaiah 53, 7, 10 Il a été opprimé et il a été affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche, il est amené comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis devant ses tondeurs et muettes. Ainsi il n'a pas ouvert la bouche. Il a été tiré de la prison et du jugement, et nous déclarerons sa génération. Car il a été retranché du pays des vivants, car il a été frappé par la transgression de mon peuple. J'ai fait sa tombe avec les méchants et avec les riches dans sa mort parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Mais il a plu au Père ou au Seigneur de l'écraser, il l'avait mis au chagrin, quand tu feras de son âme une offrande pour le péché, il verra sa postérité. Il prolongera ses jours et le plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains, il a été tué pourtant c'est lui qui a volontairement décidé de ne pas se défendre. Il s'est volontairement offert à la mort et au Hadès, la tombe des méchants n'était pas la tombe de Joseph Arimati, Joseph était son disciple qui croyait en Jésus. Luc 23, 52, 51 et voici. Il y avait un homme nommé Joseph, un conseil et c'était un homme bon et injuste, celui-là n'avait pas consenti au conseil et a fait deux, il était d'Arimathie, une ville des Juifs, qui aussi lui-même attendait le royaume de Dieu. Ainsi son corps physique a été enterré dans la tombe, mais son esprit est allé à Hadès, Isaïe dit que son âme a été faite une offrande pour le péché. Puisque nous savons maintenant que son corps et son esprit étaient définitivement impliqués dans sa mort, nous pouvons dire en toute sécurité que Jésus est mort entièrement en tant qu'homme. Jésus est mort esprit, âme et corps. Il est mort en payant le péché, la conséquence du péché c'est la mort, il a pris notre mort sur lui. Pierre nous l'expliquera mieux. Qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur le bois, que nous, étant morts au péché, nous vivrons pour la justice, par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Pour vous comme une brebis égarée, mais maintenant vous êtes retourné au berger et à l'évêque de vos âmes. Sa mort est notre vie, le sacrifice était sa vie pour notre vie, son âme pour notre âme. C'était un échange et un paiement une fois pour toutes. Hébreu 7h27 qui n'avait pas besoin quotidiennement, comme ses grands prêtres, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Puis pour les peuples car c'est ce qu'il a fait une fois en s'offrant lui-même hébreu 9h12 non par le sang des boucs et des veaux, mais par le sien sang, il est entré une fois dans le lieu saint. Ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. 1 Pierre 3v18 car le Christ aussi avait souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Étant mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. La mort de Jésus a payé pour les péchés passés, présents et futurs. Ce qu'il a fait une fois, c'est pour toujours parce qu'il se sacrifie une fois et existe pour toujours. Son paiement de la dette sert pour toujours parce qu'il est ressuscité pour vivre éternellement. La victoire de Jésus sur la mort met le péché hors de pouvoir parce que le pouvoir et l'autorité du péché, c'est la mort. L'humanité est libre du règne du péché pour toujours, l'humanité non chrétienne, est libre du règne du péché pour toujours. Le péché et la mort ne séparent plus les hommes de Dieu, Jésus a rompu le fossé par sa vie d'entre les morts. Donc Pierre le jour de la Pentecôte s'est accompli dans les actes 2. Comprenons cela dans son premier sermon, le premier sermon de Pierre. Acte 2, 26 à 27 et 31. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue s'est réjouie. De plus aussi, ma chair se reposera dans l'espérance, car tu ne laisseras pas mon âme dans la géhenne et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, lui voyant cela avant, par là de la résurrection du Christ. Que son âme n'a pas été laissée en enfer et que sa chair n'a pas vu la corruption hébreu 9 26 à 28 car alors il a dû souvent souffrir depuis la fondation du monde. Mais maintenant une fois à la fin du monde s'il était apparu pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, mais après cela, le jugement. Ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup et à ceux qui l'attendent ils apparaissent une seconde fois sans péché pour le salut. Les péchés de beaucoup en Hébreu 9.28 est de montrer qu'il n'y a pas un bénéficiaire présélectionné plutôt que tous dans l'humanité, les hommes individuels. Devront croire en Christ pour recevoir de son travail. Ce que Jésus a fait est dans le passé aujourd'hui mais valable important pour que tous les hommes le reçoivent parce que Jésus vit pour toujours, donc sa résurrection devient la plus puissante de tout ce qu'il a fait. Sans la résurrection l'espoir de la croix est annulé, il sera donc signifié que le livre de vie n'est pas un document. D'après tout ce que j'ai lu et enseigné, le livre de vie n'est pas un document. C'est pourquoi on l'appelle le livre de l'agneau. Qui est l'agneau Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de la terre, alors qu'est-ce que le livre de vie Jésus est le livre de vie. Donc le livre de vie est une personne, c'est pourquoi lorsque vous recevez Jésus, vous recevez la vie et lorsque vous rejetez Jésus, vous rejetez la vie. Maintenant lorsque vous rejetez Jésus et que le salut est fermé, votre nom est effacé dehors. Question. Pour qui Jésus est-il mort Il enlève les péchés de l'Église, dont les péchés, alors quand il l'a enlevé, par implication en lui tout le monde est sauvé, combien de personnes sont sauvées par sa mort Mais les individus devront recevoir ce qu'il a fait pour que leur nom soit confirmé. Quand les individus ne reçoivent pas ce qu'il a fait et que le jour du salut se termine, leurs noms sont effacés, c'est clair maintenant, c'est pourquoi Dieu ne tient pas le monde responsable, il ne tient pas le monde responsable parce que l'agneau l'a enlevé. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs offenses, il ne tient pas les pécheurs responsables du péché, pourquoi? Le prix du péché a été payé. Alors de quoi va-t-il tenir les pécheurs pour responsables? Pour avoir rejeté le Christ. Et quand Christ est rejeté qu'as-tu fait? Tu as effacé ton nom sinon ton nom est là. Le livre donc ne sera pas un livre, le livre donc c'est Jésus donc quand tu reçois Jésus et qu'il entre dans ton cœur, ton nom est confirmé, alors quand tu rejettes maintenant Jésus et ses œuvres. C'est quand on le nom est effacé mais il n'est pas effacé le jour où vous rejetez l'évangile, si Dieu vous attend par la foi, il souffre longtemps, nous continuons à prêcher. Nous continuons à prêcher, mais un jour, le jour du salut sera passé quand est le jour du salut terminé, deux événements dans la vie d'un homme mettent fin au jour du salut. Numéro 1 la mort et numéro 2 lorsque la trompette du Seigneur sonne, une fois que cette trompette sonne et que vous n'avez pas reçu Christ, votre nom automatiquement comme une trompette sonne. Boum, tous les noms de ceux qui n'ont pas reçu le Christ sont supprimés à ce moment-là. Est-ce clair Et nous tous qui avons reçu Christ, il ne partira jamais, donc il ne sort pas. Puis quand vous vous repentez, il entre. Vous savez pourquoi quelqu'un pensera qu'à chaque fois que vous péchez, Dieu enlève votre nom C'est parce qu'il pense à catégoriser, tu sais catégoriser. Voler, mentir, se mordiller, tu connais la fornication, l'adultère, oh, l'homosexualité, le lesbianisme, l'avortement classifié. Mais le péché est le péché. Il n'y a pas de petit péché. Pas de grand péché, tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Si vous portiez un vêtement à ce service et que vous n'étiez pas content parce que le vêtement ne correspondait pas bien, tant que ce vêtement est sur votre corps, vous péchez. Donc même maintenant vous le voyez toujours, donc le péché continue, partout, c'est pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu qui fait quoi L'enlève. Donc que fais-tu Regarde et vis, regarde. Regarde juste Jésus, tant que tu le regardes, tant que tu le regardes, il te couvre, il te couvre, tes erreurs, tes défauts, tout est couvert de sa perfection, et je déclare sur vous aujourd'hui. Sur la base de ce que Christ a fait en votre nom et de ce que Christ a fourni en votre nom, vous ne serez jamais une victime dans cette vie, si vous vous levez et criez cet Amen. Vous gagnez à travers chaque situation. Tenez vous avec moi et écoutez, et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans votre péché. Alors ceux qui se sont endormis en Christ sont aussi péris, si dans cette vie seulement nous avons de l'espoir en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant le Christ est ressuscité des morts et est devenu le premier fruit de ceux qui dorment, il est ressuscité des morts, Amen, et je décrète sur vous aujourd'hui. Quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, vous survivra et s'en sortira mieux que lorsque vous avez traversé, cet embarras et cette honte, qu'ils ont dirigé vers vous. Pour vous embarrasser et vous faire paraître petit, car votre Amen viendra comme le tonnerre, cet embarras se termine maintenant, il se termine maintenant, que la honte se termine maintenant. Que la honte se termine maintenant, que la honte se termine maintenant, que la honte se termine maintenant, et je décrète aujourd'hui chaque situation de la vie qui vous a rendu la vie insupportable. Par la résurrection de Jésus, par la puissance qui a ressuscité Jésus de les morts, car votre amène viendra comme le tonnerre, cette situation se termine maintenant, eux et maintenant. Comme ton Amen viendra comme le tonnerre, reçois des miracles, reçois des miracles, reçois des miracles au nom de Jésus. We trust that you have been blessed by this message to order the complete series of this message and all the messages by Dr. Abel Daminer.